À la limite, ça. Donc, la pépinière, le nom du joueur, c'est Lucie. On valide. Ah oui. On peut essayer de faire de la faire façon blanc, à pas avoir les conseils des précédentes parties et tout, pour vraiment faire un début depuis zéro. Ouais. Oh punaise, ouais, j'en avais fait pas mal. Hein, bah, en fait, le truc, c'est que tu peux créer des parties, mais tu peux pas en supprimer. C'est super chiant, en fait. Et t'as que 5 emplacements. Pourquoi Rose Beat. Tu voulais pas faire Rose Bird ou un truc dans ce genre-là? Mais je crois que c'est toi qui me l'avais suggéré, il me semble. Choisis un emplacement. Bah, j'ai qu'à effacer cette partie-là. Ouais, prends pas une partie où t'es trop avancé quand même. Bah, celle-là, là, je vais jamais la supprimer. Hein. T'as emplacement 2, elle est totalement commencée, celle-là, regarde, tu vois. Moi, 1, année 1, semaine 1, 0 fan. Celle-là, c'est. De quoi? Où ça? Celle-là? Ouais. Ah oui, mais ça, moi, c'était notre partie multijoueur qu'on n'avait pas. Mais non, mais j'ai pas besoin du tutoriel, moi, je... Voilà. Vous venez de créer votre propre entreprise de développement. Pour le moment, votre bureau est encore dans votre garage et vous êtes votre seul employé. Mais ne vous inquiétez pas, nombreux sont des entreprises fructueuses à commencer de cette façon. Enfin, souvent, il y a des développeurs, ils ont commencé dans leur chambre. Ouais, c'est... ID Software, ils ont commencé en loin des bureaux dans un immeuble, c'est de bureau, quoi qu'est-ce. Mm-hmm. Il y avait un bureau qui n'était pas utilisé, ils le louaient. Ils ont récupéré le bureau pour pas avoir à travailler chez eux. Parce qu'ils voulaient séparer du privé et du professionnel. Sauf qu'en fait, le bureau, c'était important. Ouais, non, mais. C'est aussi le créateur de Tomb Raider. Hein. C'était pas mal aussi. Hein. ID Software, c'est ceux qui ont fait le coup. Oui. Des mecs, apparemment, ils jouaient jamais au volet. Ils écoutaient du dessin, pas du métal. Ah, bah ça comprend l'inspiration. Hein. Ah, mais après, on s'étonne que le jeu ait une ambiance crasseuse. Mais faut voir l'ambiance qu'il y avait dans le bureau, là, il y a à l'époque. Hein. Ouais, par contre, je vais peut-être baisser encore la musique, c'est chiant. Enfin voilà, c'était le point anecdote inutile. Bah oui, mais j'ai des grandes cannes, moi. Je peux te cogner partout. Bah oui, bah écoute, hein. Voilà, faut s'adapter à son environnement. Putain, il va nous faire une connerie, je le sens. voilà. Bon, allez, on commence parce que ça fait 8 minutes, 10 minutes qu'on a commencé et on n'a toujours pas fait de jeu. J'espère que ça t'a appris. On n'a toujours pas fait de jeu. C'est inadmissible. On commence le développement. Votre choix est limité, blablabla. Bla bla. Donc, qu'est-ce qu'on a comme thème? On a quoi? La caméra a bougé, je crois. Et vampire. On n'a pas un tirage très intéressant. Non, mais on va peut-être pouvoir faire quand même quelque chose. Ninja. Ouais, si on aventure, peut, faire, on peut déjà. Carrément faire du ninja. Non, action. De toute façon, le PC est moins dans à peu près tout et le Commodore 64 aussi. Ouais. Donc, attends, moi comment j'avais appelé mon jeu hier? Ninja Action, si tu peux faire du Ninja Gaiden. Ouais, mais comment je l'avais nommé? Je l'avais nommé Okami Ninja. Okami Ninja? Le Ninja Loup. Le Loup Ninja. Ah, on peut faire un truc de série B, genre... What? Werewolf Ninja. Oh là! Dans ce genre-là, tu sais, un truc un peu dégueulasse. Il y a un E après le R. Oui, c'est vrai. Werewolf Ninja. Ouais, voilà. Ninja Loup-Garou. Non, c'est dégueulasse. Ouais, mais faut taper dans le kitsch. T'es dans les années 80, là, donc... Bah écoute, malheureusement, j'y suis pas né dans ces années-là. Et pourtant, j'aurais aimé. Bah quand tu vois les films... En fait, c'est surtout, tu vois les films des années 80, il faut s'en inspirer, quoi. Bah j'en ai pas beaucoup vu. C'est ça le problème. Moi, j'en ai pas vu beaucoup non plus. Mes parents, ils gardaient tout pour eux. Ils gardaient tous leurs films les plus cools des années 80 surtout, pour eux, quoi. Il faut s'intéresser à la culture nanar. Et là, t'as des trucs où c'est fait, justement, Werewolf Ninja, je suis sûr que c'est un film nanar. Le développement d'un jeu, ça peut... Ouais, non mais ça, ok. Pensez à quels domaines sont importants pour le jeu et lesquels sont le moins. Il faut mettre tout dans le moteur. Ouais, bah ça, oui, ça je sais. Gameplay. Gameplay, tu le mets à 80, ouais. Voilà. Comme ça, et la quête, je crois qu'on s'en fout. Oui. D'ailleurs, tu as pas apporté les mods sur ta partie. Comment ça j'ai... Ah merde ! Bah merci de me le dire maintenant ! Oui, bah je viens de le voir. Oh alors, putain non, c'était pas ça, fallait aller sur mode et activer les mods en fait. Oh mais... De toute façon, tu peux pas le faire avant, donc... Merde, mais j'en fais... J'ai fait la bouche. Là, j'ai mis ce clic. Charger. Ouais. On va y arriver. Je crois qu'on reprend. Non, c'est bon. Oui, voilà, c'est qu'on n'a juste pas perdu le... Mode, bah... Si, il est là. Oui, mais voilà, là, il est activé. Oh.
demande le redémarrage. Ouais. GG. Yeah, j'aime ma vie. Je kiffe la vie. 10 minutes, un quart d'heure. Oh bon, on a fait largement pire. Oh la vache. Ouais, mais là tu sais. Tu viens de KSP, on avait mis quasiment une heure à démarrer le jeu. Non mais voilà quoi, c'est pas. Mais putain. 3, merci. En fait, j'ai oublié de regarder l'ordre des écrans quand j'ai refait mes raccourcis. Donc normalement, j'ai mes modes, mais comment savoir s'ils sont vraiment là? En fait, c'est quand tu vas lancer la création du jeu, sur les onglets, tu vas avoir les normes et pourcentages. Donc on avait dit... Toujours penser à charger le temps, parce que ça, le jeu le détecte si tu oui, pas le temps. Oui, non, mais ça, ouais. Tu te prends de pénalité. Ouais. Ah non, mais moi, toujours au début, je le fais. Hein. Ça commence toujours. Ah non, putain, merde. Mais merde. Bah si, je l'ai. Il fonctionnait sur ma partie tout à l'heure. Non, mais... Aussi, est-ce que ça vient pas du fait que j'ai désactivé les conseils? Non, parce que le mode que je pensais, c'est pour avoir surtout les pourcentages de rapports que tu bah as. Ah si, entre... il est là. Oui, mais comme j'ai voulu tout recommencer du début, désactiver les conseils, enlever les plus et les moins. C'est pas bah du si, conseil. Puisque... Non, parce que je te parle juste des pourcentages sur les barres. Tu t'en fous des conseils? Mais j'ai jamais eu les pourcentages sur les barres. Bah voilà, c'est ce que je te demande, donc tu l'as pas le mode. Bah non. Bah voilà. Moi je te demande si tu as ce mode là, tu me réponds oui. Ah, je croyais que tu parlais de celui qui donnait les plus et les moins, moi. Enfin... Non, ça c'est les conseils justement. Ah non, les pourcentages, je les ai jamais. Je les ai jamais eus. Oui, je sais, les bugs apparaîtront. Les jeux d'action en général là-dessus. Dialogue, que dalle, intelligence artificielle à fond et design du niveau. Ouais. À fond aussi, je pense. Ouais. D'ailleurs, tu peux même réduire un peu l'IA. Hein? L'intelligence artificielle, tu as réduit un petit peu. T'es sûr? Ouais. Ah, enfin, il fait ses griffes ailleurs que sur les sièges. Parce que là, tu vois. Pendant les on va être autour des 10 pour chaque. Les 10 pour chaque? Ouais, 10 pour chaque. Pour c'est quoi. Souvent. 10. J'ai entendu comme un bruit de téléphone, je sais pas, j'ai pas comme moi. Un bip. Il est beaucoup plus fort. Graphisme à fond. Graphisme à fond. Design du monde peut-être. Non, non pense, tu penses fou ça. Et le son par contre est important, il me semble. Mais moins que les graphismes. Oui, bah oui. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il y avait sur le côté. C'est pas encore utilisé pour le moment, en fait, ça va être les futures options que tu vas pouvoir mettre pour améliorer le truc. Ouais, on les a pas encore, ça. C'est les améliorations. Oui, je sais, mais je croyais avoir désactivé tout ce qui était conseils et compagnie. Non, les conseils, c'est juste les plus. Merde, bon, tant pis. Il va être déjà envoyé. T'as toujours le token de fin. Ouais, et pourtant, dans. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Oui, merci. Je peux rechercher. Non, si tu fais pas de recherche, oh, tu vas faire. Oui, non, mais je regarde. Ouais, d'accord, c'est le moteur. Le moteur de jeu. Voilà, et tu peux le rapport sur le jeu. Ouais, non, mais j'avais vu. Je surveille, tu vois. Je surveille. Ouais. Ah, de la violette. Là, c'est un pur appliqué. Ouais, je sais. Je clique de stress. Oh, bon, ouais, les notes. Les notes comme ça, en général, bon, c'est. 5,75 pour le premier jeu, c'est bien. Ouais. Après, le truc, c'est que. Il faut plutôt avoir un thème fantaisiste et faire un RPG pour bien commencer. Parce ouais. que là, c'est un. C'est des types de jeux qui. Oh putain, ouais, non, c'est trop terrible pour un début. En vrai, moi, j'ai déjà fait mieux que ça. Oui, bah, moi aussi. Des mais... fois, j'avais des jeux qui étaient rang 17 pour les. Bon, 19. C'est pas mal, 19 fans. Mais en vrai, les jeux d'action, en général... Moi, j'avais réussi à avoir le fameux 11 sur 10 avec la trousse à outils de Superman. J'avais fait un jeu d'action de super-héros comme ça. Allez, on enchaîne. Ninja, mais en fait ça se répète quoi, c'est. Bah ouais, on a pas de super thème là, oh. Bah tu peux. Je vais en rechercher un nouveau, vas-y. Je ouais, prends le problème le risque, c'est que là tu vas sacrifier des 10 points pour aller. Bah chercher, oui, mais est-ce qu'au final ça va pas être rentable? Regarde ce que t'as un nouveau thème parce que. Ouais. Ça se trouve, ça va pas être histoire alternative, évolution. Une simulation de vie, on peut déjà faire les pré-Sims.
Moi, ce qui m'ennuie là, c'est que tu vas dépenser 10 points de recherche, voilà. Alors qu'il faut impérativement chercher le moteur de jeu. Oui, oui, bah écoute, on va faire thème. Vampire. Non, je suis plus avec les jeux de zombies. Zombies. Bah, zombie, ouais. Un zombie plateforme. Un zombie plateforme, ouais. Bah merde, y'a pas plateforme, c'est action. Bah, non, peut-être. Aventure. Ouais. Aventure, moi je peut-être plus, peut-être. Aventure, dans ce cas-là, peut-être plutôt vampire. Ah, bon. On va prendre vampire pour faire un Castlevania. C'est terrible ce qui vient de me venir en tête, Géon. Vas-y. Ouais, ouais. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est jugulaire. Castle jugulaire, ouais. Castle jugulaire, ouais, non, c'est moche ça comme nom, Castle jugulaire, en vrai. Non, mais. C'est pas parce que tu peux pas le faire sur un siège qu'il faut le faire sur le mien. Casse le jugulaire, non. Qu'est-ce qui pourrait être rentable? Tiens, on n'a pas besoin du clavier. Dracula à l'écrou. Dracula à l'écrou. Attends, je vais me mettre comme ça. Ça va être plus simple. Dracula. À les crocs. Mais ravioli, nom de Dieu, c'est pas vrai. Aventure, histoire, c'est très important. Moteur. Sur de l'aventure, non, c'est l'histoire qui compte. Oui, c'est l'histoire donc qui compte. Donc tu viens le moteur. Et c'est le gameplay, par contre, ouais. Qui est... Bon, voilà, on va le laisser là. Mais parce que si tu fais une histoire de vampire. Et que t'as pas d'histoire derrière, je vois pas où est l'intérêt, quoi. Dialogue. À fond et tu réduis l'intelligence artificielle. Je mange tous les murs. J'ai laissé le design du niveau comme ça parce qu'en vrai. Oui, non, mais c'est... Voilà. Design du. Alors graphisme, je laisse là peut-être. Tu baisses un peu les graphismes et tu montes le design du monde. Voilà. Et le son. Ouais. Voilà. Je reviens le chat. Mais c'est dingue ça. C'est parce qu'à chaque fois qu'on est sur un truc, il. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, apparemment, les animaux sont énervés. Ultra pénible. Mais on a eu plusieurs tempêtes aussi qu'ils ont mis sur les nerfs de nos animaux. Non, mais calme-toi aussi. On n'a pas lui gueuler dessus. Mais le fait est que, ouais, en ce moment, les animaux, c'est. Wow. C'est la fiesta, hein, c'est... Ils ont envie de liberté. ils veulent faire valoir leurs droits. Les modes que je pensais, c'était... gestion d'XP pour ton perso. Ouais. Tu peux avoir dès le début. Bizarre, mais bon. Tu m'étonnes, on va faire Monkey Island avec Dracula, c'est... Au secours. Sans qu'il me... C'est pas une merde. Bah, c'est pas une merde, mais j'ai déjà fait mieux, quoi. C'est ça, le truc, quoi. C'est voilà, quoi. Bah, disons que les thèmes qu'on a, là, pour le début, c'est un peu bourri en même temps, donc... Est-ce qu'on va pouvoir peut-être déjà développer notre propre moteur? Eh bien, non. Il en manque encore 6. Ah, correct. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc tu vois, au final, j'avais peut-être raison de mettre ouais, un zombie aventure. Ouais, mais c'est pas incompatible. Oui, c'est pas incompatible, mais c'est correct. Donc ça veut Salut. Dire que c'est... Bah voilà. À que coucou, à cupcakes, on est en train de faire du management, du développement. PC aventure, par contre, excellent. Oui, PC aventure, ça, ouais. C'est ok. Donc ça, on a... De toute façon, ça va nous le rappeler, je crois, avec les... Oui, on va commencer à les avoir les plus. Ouais, voilà. Donc désolé, par contre, si des fois la caméra est un peu décentrée, mais le chat n'a pas arrêté de passer derrière. T'arrêtes. Donc on n'a pas forcément les yeux dessus. Allez, on continue, on enchaîne. Et là, cette fois-ci, je vais faire Art martiaux action, je sais que ça marche. Art martiaux stratégie. Je le vis. Ouais. Alors, zombie. Hop. Un zombie RPG. Allez, je prends le risque, un zombie RPG. Zombie RPG. Je reviens. Afterlife Night. Je prends le risque hein, pendant que mon collègue est parti, bien sûr. Afterlife Night. Suivant. Voilà, j'ai pris le risque en zombie RPG.
RPG. Pour un RPG. Est-ce que ton état de décomposition avance avec le niveau de ton perso? Tu t'es bien avancé de la caméra, c'était cool. Hein? Tu t'es bien avancé devant la caméra, on a vu ton magnifique front, c'était magnifique. Je l'ai foutu dans la chambre avec son bijou, j'espère qu'il va pas. Mais il va peut-être faire ça, si. Donc, je sais plus, RPG, histoire quête. Ouais. Gameplay, bon, il en faut quand même un peu. Et moteur, par contre, on s'en fout, je crois. Hein. Gameplay, tu peux le réduire un peu moins de la moitié, mais moi. Ah ouais? Ouais. Les moteurs, on va pour l'instant. Ouais, on le laisse toujours en bas. Ouais. Ok. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Déjà, on a plus de design que de tech, c'est bon, si. Merde, qu'est-ce que j'ai avant? Ouais. Tu peux réduire un peu le design du monde et monter l'intel. Ouais. Voilà, stop. Parce que je sais plus trop, là, chercher comme ça à froid, j'y arrive plus. Tiens, on va pouvoir développer notre moteur après, ça va être bien, ça. Ah, parce qu'au final, là, les finances, ça... On est toujours aux alentours des 70K, donc on est stable. Ouais, on est stable, mais on fait pas de bénéfices. C'est. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas de bon. De bon thème pour commencer la partie. Donc, c'est très difficile de faire un très bon jeu de base, dès le départ. Donc, il faut déjà toujours faire la recherche pour les moteurs de jeu. Mm. Et ensuite, on ira chercher de nouveaux thèmes pour pouvoir avoir plus de choix. Mais du coup, là. Concrètement, graphisme on peut. Tu réduis. Ouais, et le son peut-être. Et tu mets un peu plus de son. Ouais. Comme ça. Et voilà. Putain, ouais. J'ai l'impression en fait qu'il y a un toit au-dessus de notre immeuble tellement il fait sombre. Ah oui, donc avec Dinky King, la Nintendo. Nouvelle console à sortir. Tiens, faudrait que je me remette à jouer à la mini SNES que tu m'as offert aussi, j'y pensais l'autre jour. Pourquoi pas, bah non, ouais, du coup, tant que j'ai pas la carte d'acquisition et le gâteau. Oui, je vais attendre. Non, t'attends. Oui, non, voilà. Mais t'inquiète pas, j'ai l'écran devant moi, hein. Ne t'inquiète pas, je regarde. Oh les montées de niveau, par contre, vont être belles après. Allez. Top. Oui, tu. Oui, c'est sûr, t'as le but. Alors, est-ce que ma prise de risque aura finalement payé? Et 6, ouais. Allez, doudou. Donc, c'est pas une blouse. Oh, doudou. Ok, on va voir ça. Oh, doudou. Par endroit. Marrant par endroit. C'était pas le but. On voulait faire un jeu dramatique qui parle de problèmes sociétaux. Les problèmes sociétaux des enfers et du paradis. Et puis finalement, on s'est cassé les dents. On voulait faire notre héros en fait. Et le mec il fait ouais, marrant par endroit. C'était pas le but. Et bah, du coup, c'est pas grave ça parce qu'on va pouvoir faire notre moteur. On va pouvoir déjà débloquer les compétences requises pour monter notre premier moteur. Et moi, je l'avais nommé le Tea Time. Non. Ah si. Ah non. Ah si. Si tu veux, pour l'évolution de ces moteurs, on les appellera la Coffee Mania. Tea Time and Coffee. Coffee Time and Tea. C'est comme tu veux. Non. Non, d'accord, il est vexé. Recherche terminée. Je l'ai pas fait exprès. La refla, je l'ai pas fait exprès. J'ai envie de claquer mes 10 autres points pour un nouveau thème en vrai là. Ouais, vas-y. Même s'il en reste 6, merde, c'est les mêmes que la vie comme ça avec. Simulation sur PC. Simulation sur PC, ouais. Là, t'as le trio gagnant. Eh ben, mes aïeux, on se fait bien arroser la tronche là, hein. Oh, c'est la fête! Vive le champagne! Attendez, chut. Ça s'entend même pas dans le micro, putain, c'est un miracle. On développe un nouveau moteur. Mais tu. Hein? Mais on a quasiment rien dessus. Ah! Si, on a les deux DV2. Oh! Et voilà. Moteur! Tu l'as appelé le moteur numéro 1. Merde!
C'est pas grave, je crois que tu peux la renommer à la fin. T'es sûr? Non. Parce que, oui, non, t'es pas sûr, parce que pire, moi, j'en refais. J'ai pas sauvegardé avant. Putain, on est à 6900. Oui, c'est-à-dire que là, on passe dans le rouge si on développe un jeu. Parce que c'est 10 000 pour lancer un jeu sur PC. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, limite, je voulais développer un autre jeu. Bon, ça y est, on est dans le rouge. Hein. C'est pour ça que je voulais développer un jeu avant. Je fais toujours ça, moi. Merde, alors. Ça le moteur. Attends. Y a une sauvegarde auto. Il y a 15 minutes. Ah, merde. Bon, on est reparti. Début de partie vraiment compliqué. Bah oui, forcément. Voilà, on a perdu tous les jeux, on a tout perdu. Écoute, je te dis, on est deux cerveaux, merde. T'as qu'à pour penser aussi. Pour une partie correctement. Histoire d'avoir des thèmes plus intéressants. Ah ouais, parce que j'avoue que c'est vraiment la merde. Allez, nouvelle partie. Et tu veux pas mettre les mods que je t'ai conseillé? Une demi-heure, les mods que tu m'as conseillé. Bah oui, mais je les ai pas. Donc comment veux-tu que je les télécharge? Fallait me le dire avant. Je les aurais téléchargés. Bah oui, non mais la pépinière. Tu vois, tu crois que Pierre, dès qu'on est plus sur Kerbal, j'ai pas envie. Bah écoute, hein, il en faut pour tous les goûts. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que t'es pas déjà suffisamment là. C'est vrai que voilà. Voilà. Et là, on a quoi comme thème plus alléchant? Ouais. C'est pas mieux. Alors, autant science, c'est pas science-fiction. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est? Science, je n'ai jamais réussi à trouver quoi mettre avec. La hard science? Par contre, histoire alternative, une aventure plutôt. Ouais. Mais c'est. Et on l'appellerait. Futur dans le passé. Je pensais plutôt à Drinking Island, histoire de faire un jeu de mots avec Drinking Island. Drunk? Oui, comme bourré. Histoire de bourré. Mais pour faire un jeu de mots avec Monkey Island. Drinking Island. Voilà. Yo. Ça fait vraiment bizarre. Mais why not? Tentons. Tentons l'aventure. Hein. Tac. Moi je mettrai. On aurait dû un peu. Ouais, voilà. Il manquait un chouïa. Un chouïa. C'est toi le chouïa. Le chouïa. C'est pas le chouka, mais presque. C'est une version mutante du chouka. C'est le premier. En fait, c'est quand tu grattes la tête, autant continuer. Mais ah après, oui, d'accord, parce que je me disais, est-ce que ça te gratte la tête? Ah, ouais, c'est pour ça, c'est... en fait, c'est quand tu la vois se gratter la tête, c'est vraiment pas possible. Ouais, bah écoute, hein, tant pis, on a tenté, on tente. Il y a zéro. Il y a zéro? Ouais, t'es sur un jeu d'aventure, t'as pas de déplacement à gérer, ni de. Voilà. C'est un jeu d'aventure, c'est un Monkey Island, c'est que du dialogue. Mais je n'ai jamais joué à Monkey Island. Moi non plus, mais je sais comment fonctionne le jeu. En gros, intelligence artificielle, c'est comment les ennemis vont se déplacer, réagir de ta présence. Oui. Sur un jeu d'aventure, tu n'as pas besoin. Oui, oui, je réfléchis en même temps. Design. Design, ouais. Graphisme et le son. Ouais, c'est très bien comme ça. Bon, on va voir. Plus de design que de texte, c'est bon pour un jeu d'aventure. Oui, ça, j'avoue que des fois, ça me fait peur, ça, quand je vois des... Alors, je me souviens que pour faire un très beau RPG, il faut un rapport de 1-8 entre le design... Mais ça, ce genre de truc, je n'ai jamais appris... C'est quasiment le double de design... Tu sais que j'ai eu des profs de maths, des fois, tellement merdiques, qu'il y a certaines notions que j'aurais dû savoir à l'âge que j'ai, et que je suis incapable de faire de tête, parce qu'on ne me les a jamais enseignées, alors que c'était au programme. Quand tu me dis rapport 1-8, pour moi, c'est alien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Rapport de 1,8 pour 1. Donc ça veut dire que pour 1 point de technologie, il faut 1,8 de design. Oui, mais donc ça, comment tu le vois, le virgule, quoi? Bah justement, tu le vois pas, mais c'est une moyenne. Donc en gros, il faut quasiment 2 fois plus de design que de technologie. Alors, ça, je me souviens que c'est pour les RPG. L'aventure, je crois que c'est 1,5. Ça, au tout début, c'est assez compliqué à avoir, en fait. Oui, c'est ça. Mais voilà. Par exemple, si tu as 10 de technologie, il faut 18 de design. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le bourrage aura... Le beuvrage. Oui. Ça va être... Yes. Bon.
Il y a les 5 et les 5 qui rattrapent quand même un tout petit peu, mais c'est pas ça, quoi. La pépinière, un nouvel acteur de l'industrie du jeu vidéo. Mais du coup, faut qu'on pense à renommer La Chapelle en pépinière. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Non, La Chapelle, c'est parce qu'il faut prêcher sa bonne parole. Bah, La Chapelle, le problème, tu vois, c'est que là, quand je bossais dans l'agroalimentaire, La Chapelle, c'était... c'était oui, un... C'était entre deux... Non. Non. Pas du tout. On utilisait justement le nom de la ville, le nom du village, pour dire, bah voilà, t'as tant de tomates sur un côté, il y en avait 80 sur un côté, et les 5 rangs qui étaient entre deux piliers de serre à chaque fois, c'est ce qu'on appelait les chapelles. D'accord. Comme ça, quand tu disais à quelqu'un, tu as tant de chapelles à faire, tu savais combien de rangs t'avais à faire. Il y en est combien, là? J'ai pas regardé le rang. De quoi? Il n'y a pas de rang. On est hors rang. Ouais, c'est-à-dire qu'on est Ah, on pue tellement la merde que ça. On est au-delà du top 100. Ah ouais. Ah ouais, on pue vraiment la merde, en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc tu me disais. Tu cliques sur Stream Workshop Steam. Mais parce que Stream Workshop, c'est pas la même chose. Hein. Attends, je vais la regarder sur la partie, parce que moi, je les ai, c'est... Ah. Je les ai. On va commencer, c'est promis. Mode research mode. Non, la KFC console, mais putain, mais je crois que c'était vraiment une légende urbaine, quoi. En fait, elle est réelle. Ah, pourcentage genre feature. Je crois que s'il y a ça. Attends, hey, Steam. Ah, c'est toi qui a le jeu, non? Non. Pourquoi j'entends des clics, clics, clics? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Et merde! Non mais ça y est, je les ai, mais après, enfin, ce truc-là, moi, je le trouve pas très utile, en fait, quoi. Moi, je préfère faire ça sans, quoi. C'est pour son tenger, feature focus percentage. Donc c'est ça. Oui, moi j'aime bien parce que ça, je trouve que quand t'arrives à trouver un bon schéma, pour le répéter finement, c'est utile. Mais ça, c'est de la maniaquerie, monsieur. Oui, c'est de la maniaquerie. Par contre, ah, c'est qu'en fait, normalement, ton personnage commence à XP, enfin à prendre de l'XP uniquement quand tu passes sur le deuxième bureau. Il y en a un qui permet de prendre de l'XP dès le tout début du jeu, en fait. Merde. Je fais n'importe quoi, et je l'ai pas. Faut que je redémarre, si ça se trouve, c'est ça. Bah non, je peux pas attendre, malheureusement, non. Ça, c'est des trucs qu'on aurait dû faire avant. Oui, bah, en même temps, tu m'aurais dit, non, j'ai pas les bots que toi, tu as. Bah, parce que moi, je les trouve pas utiles. Voilà. Bah, surtout qu'à chaque fois que tu vois la partie, tu fais, ah, c'est intéressant, c'est la première que j'ai pas. Ça fait un moment que j'ai dit ça. Attends, la dernière fois qu'on a joué à Game Dev Tycoon réellement, c'était il y a combien de temps? Alors, je vais te dire, très cher monsieur... chargé, il y a des parties qui datent d'il y a 3 ans. Oui, ça. Donc, ça date. Oui, mais pas que je suis d'origine. Voilà. Oui, tout à fait. En effet, ce n'est pas qu'une vanne. Ce n'est pas qu'une ref, c'est une réalité. Ça peut être utile dans certains cas, mais dans d'autres, c'est un peu plus problématique. Le Saint-Soleil nous fait l'honneur de sa présence, bien entendu. Hein. Par contre, je n'ai pas la même chambre que mon frère qui, lui, a le malheur d'avoir un papier peint jaune. Ce fait que dès qu'il a le soleil... Staff, gain, experience from gains. En fait, c'est que tout ton personnel... J'ai pas compris avec ton accent, je suis désolée. Oui, je le sais, j'en ai... En fait, c'est que... Bonjour, très chercheur. Pour faire évoluer ton personnage, il faut que l'on donne l'information. Oui. C'est pas logique. Donc en fait, tu as un petit mode qui permet de donner quelques points d'XP à ton personnel lorsque eux font des... Et donc ton personnage, dès le début de partie, dès qu'ils font un jeu et pas que les formations. C'est dès... En fait, t'es pas obligé, avec ce mode, d'envoyer tes employés en formation, c'est ça? Pas nécessairement. J'adore ce genre de réponse. Pas nécessairement, c'est très précis. La formation va leur donner énormément d'expérience dans un domaine particulier. Oui. Les jeux vont leur en donner un tout petit peu, mais vu qu'il fait beaucoup plus de jeux que de formation, bah en fait, ils continuent de s'entraîner tout au long de leur carrière.
Ouais, mais celui-là, tu vois, j'ai... Et ça fonctionne aussi pour ton personnage principal qui, lui, par contre, n'explique pas. Ouais, mais tu vois, avoir des mods qui me simplifient toujours la tâche, au bout d'un moment, moi, non. Donc, C'est pas que ça simplifie la tâche, c'est que c'est... Bah, je trouve quand même. C'est, t'apprends pas que en formation, t'apprends aussi en travaillant. Oui, certes. Bah, voilà. Mais pour qu'elle fasse valoir, t'es obligé de passer des certifications, des fois, dans certains métiers. Pas nécessairement, c'est juste du savoir-faire. Oui, il y a du savoir-faire, mais des fois, pour les faire valoir, il faut que tu passes des certifications. Bah oui, mais... Justement, c'est que tu... Oh, putain, qu'est-ce que t'es chiante quand tu fais ça. Putain, qu'est-ce que t'es chiante. Est-ce que tu savais cueillir des tomates quand t'arrivais à Automate Juno? Bah ouais, un petit peu et quand même. Et quand tu sortais à la fin, est-ce que tu savais mieux les cueillir? Il n'y a pas vraiment de méthode pour les cueillir. C'est voilà. Surtout s'occuper des plants qui étaient importants, pas cueillir oui, les tomates. Une fois que t'es sorti de ton boulot, tu savais mieux le faire. Je savais mieux prendre soin des plantes, oui. Voilà. Et c'est ce que je viens de te dire. Est-ce que tu avais une certification pour prendre soin des plantes quand tu es bah, en photo? Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc voilà. T'as appris en travaillant. Après, je n'avais pas vraiment de justification vraiment pour passer la certification parce que je voulais pas faire de boulot là-dedans. Oui. Mais si tu as besoin. Oui, j'ai appris en travaillant. Voilà, et c'est ce que ce mode. Mais ce que je veux dire, c'est que la certification, tu la passes vraiment quand tu as envie d'avoir quelque chose de véridique si tu penses faire carrière là-dedans. Mais là, on s'en fout, c'est juste pour faire pex des mecs. Je suis désolé, mon cher monsieur. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est quoi? Comment il s'appelle, déjà? Staff, Game Experience, Farm Games. Je te jure, j'ai la flemme de le chercher, en fait. Bah, tu cherches juste... Bah, tu remontes. Là, dans la barre de recherche, tu tapes Staff. Bon, allez, Staff. Trois putains de quart d'heure. Gain. Non, gain. Pas game. Ah bah je suis désolé, t'as dit game. Moi j'ai compris game. Gain. Hunter, allez. Bon allez, vas-y. Voilà, descends. C'est le premier. Allez. C'est le premier. C'est celui-là. Allez, c'est parti. On redémarre le jeu. Parce qu'on en a rien à foutre. Non. Laisse-moi faire. Pas de touche, arrête. Et en plus, c'est moi qui avais raison, j'appuie sur 1 depuis tout à l'heure. Tu sais que oh, je me pose vraiment des questions sur toi quand tu fais ça. Toi aussi. En vrai, toi aussi. Hein. Il y a des questions qui se posent. Maintenant, t'actives le mode et tu redémarres le jeu. Ah, mais nom de Dieu, quoi. Merde. Je hais la population, je hais l'humanité, voilà, c'est dit. Des choses dures ont été dites aujourd'hui, notez-le. Autant tu me fais chier parce que je suis... Et quand tu rembobines la cassette, ça donne quoi? Hein? Quand tu rembobines la cassette, ça donne quoi? Oui, chargé. Tu rajoutes un mode, donc tu veux pas être incompatible. Tu dis qu'il n'y a pas de conflit. Hein. Non, mais en fait, il dit qu'il y a un conflit parce que tu as commencé une sauvegarde et il y a une feature qui n'était pas utilisée. Là, tu le charges, tu n'auras pas de problème. Oh, mon Dieu, ça marche. De rien, c'est un plaisir. C'est plutôt quand tu retires le mode et que tu recharges ta partie que ça pose des problèmes. Ah non, mais je vais te casser les couilles. Hein. Ah, je te le garantis. Mais... Tuez-le. Passe-le par la fenêtre, pitié. Tu l'as appelé jeu 2, c'est bien. Bah écoute, ouais, allez, allons-y, jeu 2. Allez, prenons des risques. Eh bah ouais, tu vois, hein. Est-ce que tant, toi, tu me... Oh, putain, tu me cœur, tu me dégoûtes. Allez, hop là. Je crois que c'est comme ça, hein, les simulations, il me semble. Ouais. Jeu numéro 2. Bah je l'ai nommé piste numéro 2, tiens, après. Bah, vu que c'est piste un numéro 2. C'est quoi, c'est un jeu de transport? Oui. Ah, transport, on pourrait l'appeler... Piste numéro 2, moi je dirais... Où est-ce qu'on pourrait... À la prochaine à droite. À la prochaine à droite. Ou attention à la marche en descendant du train. Attention à la marche. Moi, merci d'avoir pris notre compagnie. Bon, on va voir. Simulation... Simu, tu peux virer les graphismes. Hein? Mais t'es fou, toi! KSP... Flight les Sims... C'est une simulation de vie. Et il était franchement sur un plan graphisme, ça n'a jamais été quelque chose.
Mais tu prends vraiment les grands jeux, enfin les grandes simulations, genre Flight Simulator, tu peux prendre KSP aussi, tout ce qui est simulateur de vol, donc DCS et tout, oui, c'est mais... pas des jeux qui sont particulièrement beaux. Hein. Oui, bah ok, mais bon, de toute façon, la simulation, dès qu'on les prend en premier jeu, ça ne... Ça ne... Bien sûr, monsieur le banquier de la BNP, bien sûr. Il y a plus de design que de tech. Ah putain, mais c'est pas dur. Tiens, change le nom. Oui, deux secondes. T'avais dit quoi? À la prochaine à droite. Et on pourra faire la suite à la prochaine à gauche. À la prochaine... À droite. Et si on fait une suite qui sera forcément mieux, hein, bien sûr. À la prochaine à droite. Attends, je voulais regarder un truc au niveau de la recherche. Qu'est-ce qu'ils proposent en fait dans les nouveaux thèmes après? Oh, oh sympa! Oh merde, allez, on aurait pu faire SimCity! Allez, 4 sont sympas. Parce que là, le fantastique, tu fais un RPG, c'est la parfaite combinaison. Bah, les premiers Elder Scrolls. Mais militaire, bon, c'est un peu tôt. Un jeu d'action. Et à niveau virtuel, tu peux. Bah, tu fais une sim aussi. Et ouch! 5. Ouais bah oh. Ok, c'est un 6. Oh wow. Olé, bon, ça sauve les meubles. On va dire que ça sauve ouais, les meubles. Là, hein. Il va tranquillement se rembourser. Ouais, et on va être, je pense, pas très haut. Rang 67, ça va. C'est mieux que ce qu'on a fait dernièrement. Déjà, c'est surtout ça se vend en milliers de copies. C'est déjà pas mal. Le rang a quand même son importance. C'est plutôt le fait que tu vends des copies que ce qui te donne un rang. Tu vois, gameplay, bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux quand ça te plaît, ça? Et tu vois, ça s'augmente et comme ça te donne un petit peu plus. C'est pas avec ça que des fois il y a des calculs foireux. Oui, parce que l'ordinateur a du mal à calculer. Les arrondis sont merdiques. En fait, c'est que tu n'as pas de chiffre à virgule sur le tableau de résultats, mais dans le calcul, t'en as. D'accord. Donc en fait, avec des problèmes d'arrondi et tout, ça te donne des merde, mais on a déjà fait l'histoire alternative. On a fait transport, avion. Bah ouais, mais avion, qu'est-ce que tu veux faire? Bah ouais, mais c'est un autre jeu de simu. Est-ce qu'on peut pas essayer ça? La science, je sais pas ce que tu peux faire avec de la science. Science, j'avoue, c'est peut-être un des thèmes. Même quand je jouais avec le tableau, les comparatifs à côté, c'était chaud. Ouais. Et même, t'as l'impression que même les joueurs... La communauté en elle-même ne sait pas quoi faire avec cette... Parce que autant ça serait science-fiction... Avion, aventure... Ouais, okay, tu peux faire un peu tout n'importe quoi avec la science-fiction. Aventure peut-être. Avion-aventure. Stratégie. Science-stratégie... Non, bah non. Science-stratégie, c'est ridicule. Avion, on peut faire un action. Ah bah alors, un action alors. C'est du Gradus. Gradus. Voyons voir. Gradeus. Gras espace Deus. Gradeus. Le dieu gras. Gradeus. Ouais, Gradeus, pour faire Gradus. pas mal. J'approuve. Là, du coup, on va pouvoir développer notre moteur relativement tôt au final. Hein. Ouais, moteur à fond, gameplay à fond. C'est bien, on fait le jeu alors que la prochaine à droite est encore en train de demander. Bah écoute, oui. Bah là, l'intelligence artificielle. Et dialogue. Dialogue, tu viens. Design du niveau, peut-être que j'aurais dû. J'y ai pensé après. Par contre, t'as pas beaucoup de pognon, c'est méchant. On va faire des petits contrats après. Ouais, une fois qu'ils seront débloqués, ouais. Bah je crois qu'on. Non, on les a débloqués ou quoi? Je crois. On les a débloqués. Son important. Tu peux réduire le son. Tu peux le réduire à fond. Ah bon? Ouais. Le son est pas important dans un jeu d'action. Ah bon? Ouais. Dans un jeu de développement, tu fais attention au son ou pas? C'est les graphismes qui apportent. Bah, moi j'avoue que le son, j'ai du mal à faire sans quoi dans ce genre de jeu là donc. Oh. Ah, c'est, franchement. À fond. Bah, graphisme à fond. Design de monde alors? Un petit peu. Voilà, pas plus. Mais tu réduis encore le son là. Mettre plus de 50% sur le graphisme. Voilà.
Tonton, la Tess est sortie. Testostérone. Ha ha ha. Oh putain, on l'a raté. C'est hilarant. Merde. Chier. Allez. Oui, continue, vas-y. On a plus de tech que de design, le jeu sera pas trop mal. Monter de niveau peut-être. Sur design du coup. Ouais. Ça ok, d'accord. Les calculs sont justes. J'ai l'impression de vérifier les devoirs d'un gosse de CM1. 10 000 exemplaires, 10 000 exemplaires. C'est pas mal, mais bon. Aha! Eh! Oh! Oh! Ça va être un. Alors peut-être! Ça va être du 7,5. Allez, un petit 9. Ouais, pour qu'on soit à 8, ouais. Ah! 7,75. Eh ben, c'est pas mal! Eh, tu vois? C'est pas mal! As-tu vu? As-tu vu ces belles quenouilles? Travail sous contrat, ça y est, c'est ça. C'était pas Antoine Daniel qui l'avait. Ouais, si, hein. C'était Johnny Dying. Oh putain, ce mec, quoi. Mais je crois qu'il était Johnny même pas. Johnny Crying. Oh, je sais plus. Mais il était même passé dans les CLG, je crois. C'était mon GPR, le mec. J'avoue. Ah. 142. Eh ben on peut déjà rechercher pour le moteur de jeu. On a 81 000, ouais, je pense que c'est le bon moment. Et ensuite. Peut-être, ouais, développer, bon. Peut-être développer un dernier jeu avant de le faire vraiment. Non ? Ouais, c'est ce que je fais souvent. Non, on développera pas un jeu, on fera les travaux sous contrat. Les travaux sous contrat ? Ça rapporte moins, mais en fait, c'est juste que ça va donner un petit peu de pognon. Parce qu'on n'aura plus de jeu, en fait, pendant qu'on vendra, mais le problème c'est que si on fait un jeu sans les ressources, la technologie d'un nouveau moteur de jeu, alors qu'on pourrait le faire, ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire. C'est pas faux, et depuis tout à l'heure, le personnage fait rien, alors qu'en vrai, elle pouvait déjà faire des contrats. Ouais, il faut toujours être un peu de ouais. Ah, mais j'ai oublié. Ah, ça c'est. Plus de design que de texte, c'est jouable. Regarde ce qu'il y a d'autre. 5 semaines, c'est bon, t'as le tu le fais celui-là. Ouais, allez. Bien. Let's go. D'ailleurs, ce qui est con, c'est que j'ai pas pensé là-dessus avant ma réinstall système à sauvegarder mes fichiers de Mario 64 que j'avais commencé pourtant en stream. Donc du coup, j'ai été obligé de refaire le jeu pour arriver là où j'en étais. T'as perdu Rob Station ? Non, oui, j'avais perdu Rob Station, ouais. C'est con. Bah oui, du coup, je l'ai mis sur le disque D, mais je suis obligé de tout refaire. Du coup, est-ce que celui-là, il serait pas jouable ? 5 semaines pour faire 13, ouais, tu peux, ouais. Mirkonoft. Faut pas qu'elle se gratte la tête. Ouais, non, ça c'est souvent un problème, ça, quand il se gratte la tête. C'est bon. Yeah. Parfait. Bon, du coup, peut-être... Créer le moteur. Oui, et tu m'avais dit de faire quoi ? Ah oui, moteur 1. Alors. Le MCC. Le MCC ? Ouais. Ça fait nom de banque, une mutuelle. Le moteur contre les chats. Le moteur contre les chats, pour mais non. Ah bah alors là, il va nous foutre la paix, regardez-moi ça ! Il se propose Godzilla ! Ça y est. Bah, hé, remarque, c'est pas plus mal. Parce qu'il y a que des boîtes vides, il peut rien casser là-haut. Enfin, il y a juste la purée. Ouais, parfait, c'est parfait. Le MCC, mais non. Moi, j'avais pour la Coffee... Alors, il y avait soit la Coffee Mania, ou le Tea Time Coffee. Le Tea Time Coffee, ça fait un subtil mélange entre les deux. Qu'en pensent les juges ? Oui. Mais encore. Ce que je pense, c'est que c'est de la merde. Voilà. Mais si c'est de la merde, c'est tant mieux. Voilà. Tea Time Coffee. Avec une belle faute d'orthographe. Tu peux faire le coffee-fée, par exemple. Oh non. Non. Alors là. Non. Jamais. Never. Donc le Tea Time Coffee. Moteur de jeu de la pépinière.
Au secours! Nous avons perdu notre santé mentale. Ouais, notre sainte et mentale, ouais. Ouh. Ouh. Le sainte et mentale, bien entendu. Et mentaleur. Cette quête de Witcher 3 qui était faite à propos de l'épée fromage. Mais là, tu te dis que l'équipe de dev, ils ont vraiment pété un watt quand ils ont fait cette quête, quoi. Puis le pire, c'est t'as Geralt qui sort, qui sérieusement, hein, il dit je vais appeler cette épée et mentaleur. Quand j'ai vu cette quête, j'ai fait mais pourquoi tant de haine? Est-ce qu'il y a vraiment... Ouais non, c'est le dernier, celui-là j'ai pas envie de prendre le risque, perso 16 ça me paraît un peu courtos. 15 on l'avait fait large, hein. Ouais. Ouais. C'était 13 qu'on avait fait. 15. Le deuxième, c'est qu'il y avait 15 de tech. Eh ben, allons-y. Animation de logo, pourquoi pas. Oh, elle s'est gratté la tête. Voilà pourquoi je ne voulais pas le faire. Parce que je me doutais un petit peu que ça allait partir comme ça. Et on va avoir une putain de pénalité. C'est pourquoi je vais faire... Ah! Bah alors? Allô? Charger. T'es cogné la tête, c'est ça? Voilà, comme ça on revient. Voilà. Développer un nouveau jeu. Thème. Oh, est-ce qu'on peut pas se prendre un nouveau thème? Ça se fait vite. Rechercher, nouveau thème. Alors on prend lequel? On peut faire Fantastic RPG. Fantastic RPG, c'est parti. Ça fait beaucoup de sinus. Ouais, ça pourrait changer un petit peu parce que c'est vrai que le problème de science c'est qu'on peut se prendre. On peut prendre un risque peut-être à le développer sous une certaine appellation, mais pas tout de suite en fait. Donc développer, thème, genre, RPG, plateforme, PC, moteur, Zach, le Tea Time Coffee, et le vieux papier.
Oh, nous étions mute, mais pourquoi? À quel moment j'ai appuyé sur la touche de mute? Oula, je sais pas. Merde. Attends. J'espère pas trop longtemps. Bah attends, ouais, je vais regarder ça. Oh merde. Donc merci encore, Kev. Pour le raid. Je savais même pas qu'il était en stream déjà de base. Je l'ai vu. Alors attends. Je l'ai vu, il a mis un tweet une heure avant qu'on se l'a vu. Ah tweet, oui, d'accord. Alors attends, stop. Merde, je peux pas revenir en arrière. Ah. Je me disais aussi que vous étiez bien muet. Merde. Ça fait combien de temps? Est-ce que ça fait longtemps qu'on est mute? Merde. Ah mais c'est quand. Attends, merde. Bah non, j'ai pas tapé au clavier. Papier grabataire, y'a pas de V. Parce que c'est là que. Bon, bref. Si, parce qu'on avait commencé par vieux papier. Ah merde. Donc, du coup, toute cette partie-là était mute. Ah. Ah, du garage au sommet de l'industrie des jeux vidéo, oui, mais alors là, c'est vraiment du n'importe quoi. Chier. Bon, bah, il y aura une coupure dans le replay, sorry. Bah, il manque tout le toute la partie. On n'a pas dit tant de conneries que ça, donc... Non, il y avait pas beaucoup. Ce qui est con, c'est qu'en vrai, bah, le papier grabataire, bah, du coup, voilà. C'est con parce que c'était pas mal, quoi. Donc, ouais. Alors, du coup, avion, à part mettre Flight Simulator... Quelque chose de plus original. I believe I can fly. Ah mais non, mais il y a encore un. Mais c'est quoi aussi tes raccourcis de merde là? Et parce que quand j'ai programmé Passless, et bah il y avait voilà quoi, il fallait que je programme des touches aussi, mais pour me mieux. C'est élevé. Bah oui, mais j'ai pas eu le choix. Toutes mes touches de numérotation étaient prises. D'ailleurs, tiens, et ça faut que je l'enlève. Mais ouais, malheureusement, voilà, tac. Voilà. Alors, I believe I can fly. Sur deux touches, ça évite ce genre d'accident. Je suis d'accord. C'est pour ça que je me. En fait, de touches, c'est toujours contrôle ou alt quelque chose. Machin. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est un coup à faire des combinaisons un peu chelou, genre Alt F4 ou Ctrl W. Non, Alt F4, je le ferai jamais. Non. Ah oui, donc voilà, c'est là que les plus et les moins apparaissent. Les moins. Hop, tac. Simulation, retire l'histoire. Merde, mais non, mais c'est l'inverse. Tu mets le moteur à l'on. Oui, c'est l'inverse. D'ailleurs, le gameplay, tu peux peut-être le réduire un poil histoire que le moteur soit à plus de 50%. Faut du gameplay quand même dans les oui, Sims. Voilà. Oh la perfection. La perfection. Un visage. Trop tard. Vengeance. TG. Est-ce que là aussi il faut que je fasse la perfection? Non. Oh d'ailleurs je mettrai plus. Alors plus déjà, de design, plus de design que de. Bah, dialogue, ça se met pas. Hein? De la simu, on s'en fout du dialogue. Par contre, on est à l'intelligence artificielle. Oui. Ah bah écoute, allez, hop, je laisse comme ça. Parce que j'ai décidé. Parce qu'il y a pas de bien. Ah, on a plus de techno. Là, tu fous. Ah, c'est pas, t'as pas besoin de ça, c'est surtout un bon moteur. Oui, voilà, c'est ça. Le son, tu peux le mettre ouais, 80. Oui, quand même ouais, pas mal haut. Hein. Ouais. Bah, un design, quoi. Ouais. Graphisme. Ouais. Puis on enlève la 2DV2. Hein. Tu veux pas la retirer? Ah, merde! Non mais tu montes jusqu'à ce que t'aies plus le pourcentage à côté des graphismes. Oh ouais. Tristesse, pourquoi voilà. Mais pourquoi? Oui mais merde. On aurait dû intégrer la 2DV1. Bah oui non, bref. Bref, ouais mais c'est con parce qu'on aurait dû. Ouais, on devrait développer un moteur après avec le son mono quoi. Oui. Parce que là ce qui est con c'est qu'on met le niveau du son haut et on n'a pas de son mono, donc c'est un peu. Ça impacte pas ça en fait. Ah ouais. Ça peut paraître bizarre, mais ouais. Ah oui! Bon. Oh, je suis déçu.
j'ai pris le risque de cliquer. Salut Ben. En ayant salut Benoît. Et c'est trop chelou parce que Kev et toi vous êtes de la même couleur, du coup j'ai eu du mal à j'ai eu du mal à vous distinguer. Détruire. Donc on a eu que ça. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Aha. Oui, voilà, ouais. 303 plus 1 égale 303. J'adore oui, bien ce sûr, jeu. Ouais. C'est... On vise des sommets, tout à fait. Ah, le papier grabataire n'est plus en vente. Ça pourrait être trop un titre de journal, en vrai, le papier grabataire. Remplacement de valeur actuelle. Oh, oh, oh. Oh, bah ça va peut-être être allez, allez, qui va s'il nous vous faire plaît, changer c'est de... SVP. SVP, pas de 8 ni de... Putain de allez, merde. Un 10 pour compenser. Oh, fais chier. Eh mais 8,5 pour un jeu axé techno, c'est pas mal. GG, on va être... Attention. Rang 7. C'est bon, ça. Ouais. Ouh, il va peut-être nous apporter... Non, je pense pas qu'on dépasse le million. Excellente combinaison. Bah oui, forcément. Et excellente combinaison. Ouais, on a fait un bon jeu. Par contre, il faudrait qu'on fasse un peu de recherche, là. Oui. Son mono, pour commencer. Ouais. Ciblage du public, surtout. Ça, ça va être important. Oui, tout à fait. Mais là, par le contre, temps... Par contre, il s'est cassé la gueule, après. Hein. Ouais. Il s'est cassé la gueule relativement vite. Il dure pas dans le temps. Ouais, enfin, ouais, après, il reste stable. Stargames, tu lui as accordé un très bon jeu, tatata. Ok, bon, on commence à parler de nous dans les journaux. Ah, c'est cool, ça repart un peu à la hausse, la vente. Ouais, très léger. Ce qui est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a, toi hein? Gros tête poil, infect. Oh, là, il se promène, pour l'instant, il fait rien, mais j'espère qu'il va ravoir de la pluie juste pour l'occuper, comme ça, lui, il va être le nez collé à la vitre, ça va être le bonheur. Parce que là, je sais pas ce qui se passe à l'hôpital. Bah, en même temps, on a eu une semaine de météo pourrie, il y avait du vent tout le temps, jour et nuit. Bon, ces jours-là, par contre, ça ne l'a pas rassuré. Mais alors, le reste du temps, je sais pas ce qui se passait. C'est terrible. Didacticiel, ouais, d'accord, ok. Autre recherche qu'on peut faire, ciblage du public. Après, peut-être chercher un nouveau thème. Oh! Casu Games. Animaux virtuels. Oui. Mais le problème, c'est que là, on est dans la période où les casual games, c'est pas trop leur période, on va dire. Il y avait pas trop de casu à ce moment-là. Bah, surtout c'est... qu'il y avait pas de bon support pour faire du casu, parce que avait... le support casu, c'est le téléphone portable. Oui, et puis les téléphones portables, ils ont commencé vraiment à faire du casu que fin des années 2000, début 2010, hein, en vrai. Hein, bah, là, c'est des smartphones, quoi, donc c'est pas, on est pas du tout dans votre période. Non, mais moi, attends, le jeu Sims, le premier jeu casu Sims sur téléphone portable... Mais il était génial en vrai, et je n'arrive pas à le retrouver. Je l'avais sur mon tout premier téléphone, ou le deuxième, non le deuxième. Sur le deuxième téléphone portable, il était vachement cool, et j'ai pas réussi à le retrouver, c'est la déception. Donc rechercher thème, ville, mais ça serait encore de la sinu. Militaire, action. Militaire, stratégie. Militaire, stratégie, ouais, tout à fait. Et j'avoue que j'aimerais bien. Il y a pas. Je crois qu'il y a le type civilisation. Et là, j'aimerais bien avoir stratégie civilisation en vrai. Oh, le bundle civ. Le bundle civilisation. Ah, dès que je peux, je me le prends. 20 balles, 23 balles au lieu de 147 sur instant. En général, ça se refuse pas. Hein. Bah, attends, mais civilisation quoi! Le jeu où tu peux jouer dans la ville de Charleville-Mézières. Je vais faire la ville de Baguet Piquant avec ça. Le roi de la civilisation sera à Baguet Piquant. Je crois quand tu verras qu'en fait, quand tu développes Baguet Piquant, le niveau technologique sera à Moyen-Âge. Ah non, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est de me rendre compte que du côté du QG parental, justement, t'as des mères qui commencent à se rendre compte qu'il y a plus de jeunes qui viennent dans leur ville. Mais déjà, ils pensent pas et ils mettent la fibre. Donc voilà. Alors, thème. Militaire. Et puis surtout, le maire qui te sort... Ah bah oui, y a personne qui construit parce qu'il y a trop de réglementation. Bah oui, non, mais il fait construire en zone inondable, forcément, qu'il y a trop de... Y a... Enfin, voilà, c'est... Hein? Tu l'as fait en stratégie. Bref. Militaire. PC. On peut faire un risque. Oh oui, risque. Mais avec, tu fais plein de fautes d'orthographe. Mais comment veux-tu que je fasse plein de fautes d'orthographe avec risque? R-Y-X-C.
R-H-Y-X-C. Risque. X. Y-X-C. adulte. Ouais. Ah, et public averti quand même. 2DV2, ouais. 2DV2, ouais, t'es sûr ouais, ouais, ouais. Ça, ça a porté tout point de techno. Mmh. Tu vas rager après comme Kaysar. Ouais. Et j'ai toujours pas passé la map. Hein. Ah non, mais. Ça me fait chier. Hein. C'est incroyable à quel point je suis bloqué. Vous, ça vous fait rire. Moi, je l'ai juste à côté. C'est infect. Mais ça. Non, je rage en silence sur ce jeu. Des fois, je tape sur la table parce que. C'est expliqué pourquoi. Attends, on a pas la même, la même définition du silence, hein. Oh la vache. Non mais toi, tout pour toi est prétexte à du bruit, même un aspirateur. Donc bon, voilà, hein, au bout d'un moment. moteur gameplay, ouais, cher collègue. Ta gueule, ouais, voilà. Hein cher collaborateur, qu'en pensez-vous? Bah que tu vas aller te faire foudre. Un gameplay haut, je pense, et moteur tu comme auras, ça. Tu réduis le moteur et tu mets un peu d'histoire-quête. Un peu? Ouais. Ouais, peut-être réduire encore le moteur. Non, pas tant que ça. Là. Stratégie, le moteur est pas si important que ça. Bah, l'histoire, je la laisserai là. Sauvegarde. Bah, histoire linéaire, au final, ça sert à rien. Vu que l'histoire quête est pas importante, autant économiser du flou, hein.